Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur 4090. Et bon, on est avec la team parce que ça faisait un moment, on n'avait pas fait déjà de Fortnite, de vidéos ensemble. Et voilà, tout court, là, il y a la nouvelle saison qui est sortie. Du coup, ça fait extrêmement plaisir. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir là? Et t'as découvert du coup la map ou pas du tout? Mais non, pas non. Du tout. Personne n'a découvert. Attends, mais tu sais qu'on a déjà fait un top 1 avec Enara? Ah oui, mes frères, non mais gros, tu sais que le genre là, vraiment, j'ai pas allumé mon PC, j'ai juste fait la mage et j'ai pas rallumé mon PC, frère. Ah ouais. Ah bah ça va être cool. Eh oui. Ah donc t'as pas vu la glissade et tout? Hein? Ah je suis en train de le spoil là. Comment ça, mais la glissade elle y est déjà dans le jeu? Non, pas la glissade que tu crois. Ouais, là c'est la glissade. Ah, c'est la glissade de Dubaï. De Dubaï, t'as capté mon ref. Ah ouais, mais j'ai pas vu moi. Eh ouais. Mais ouais, tu vois, genre, là, il y a la ville, tu vois. On est parti voir un peu. C'était hier, ça, on a joué un peu. Mais je te jure, on a fait top 1. Mais je sais pas, est-ce que c'est parce que, en début de saison, bah, tu sais, on se retrouve avec des bots, vu qu'on a un niveau très bas. Ou bien, est-ce que vraiment, on se retrouve qu'avec des gens nuls? Je sais pas. Voilà, je sais pas. Mais honnêtement, il y avait un peu des tryharders hier quand on a joué. Voilà. Ouais, quand même, hein. C'est quoi la glissade? La glissade? Bah, attends, bah vas-y, on va. Bah ici, tu vas voir. La glissade, you wanna know, man? Oh, c'est New Tilted. Ouais, c'est un Tilted cyberpunk. Slash. Quoi, ils ont essayé d'imiter un peu une ville au Japon, genre? Ouais. Bah apparemment. Okay. Et mais hey, mais j'ai pas acheté le pass de combat! Ouais, moi non plus. Wouah, t'es un fou, frère. T'es un fou. Tu es dans la cahier, toi, un peu. Ah ouais, d'habitude c'est 50 niveaux là, c'est bon, j'ai plus besoin de ça maintenant. Attends, avec un peu de chance, peut-être on va se poser directement sur une glissade là. Attends. Ah mais oui, c'est les rambardes. Voilà. J'avais vu dans la bande-annonce de Rainbow Six Siege. Ouais. Il est clair, incompris. Eh, mais attends, du coup, est-ce que chérie, je peux te faire confiance et je peux, genre, sauter du truc? Parce qu'hier j'ai tenté. Oui, tu peux, tu peux. Ah ouais? Oh! Oh, c'est cool. Regarde, il y a la moto aussi. La moto, mon ref. Oh ouais, putain, la moto est trop stylée. La moto? Waouh, non, mais. Il y en a une nouvelle. J'ai gâché une moto. Ouais, mais c'est vrai, hein. Wop. Non. J'ai pas d'arme. I have no. Ah! Je suis en train de me faire. Les gars, pourquoi j'ai une épée? Elle est trop stylée. Il y a un sabre, mon ref. Elle est incroyable. Frérot. On va tester ça de suite. Est-ce que quelqu'un peut venir me sauver ou bien on est loin? J'arrive. Mais... Ouais, ah, mais Enoal, je sais qu'il va. Oh merde. Du coup, Bah, on a dit à Enoal de venir jouer avec nous, mais je sais que lui sur Fortnite, il est en mode solo en fait. Non. Voilà, je me mets pas en mode solo. C'est juste que j'étais en train de me loot. Attends, c'est quoi ça? Il est là le caméra. Il découvre, hein. C'est incroyable! Tu kiffes ou pas? Il est où? Ah, c'est quoi ces armes là? J'ai eu trop peur, wesh! De teint! Ouais, sérieux, frère! Hop là! Voilà, dans ta bouche! Non, à Skip YouTube, ils ont changé les règles de. Eh ben, faut pas lâcher des dingueries non plus, faut pas faire des. En fait, teint, je crois que ça passe! Faut pas dire PU. Tu vois? Ouais, bah oui. Est-ce qu'on peut dire. Non, là, j'allais pas tuer de. Est-ce qu'on peut dire S-H-N-E-K? Bah, c'est des. À la base, ce truc-là, ça se mange? Non, mais je parle, ça se mange. C'est un. Tu connais? un pain au raisin en allemand. Voilà, exactement, ça, c'est un. Ah, une grosse schnack! Nom de Dieu. Mais tu sais que le pire, vraiment. Ça, c'est un truc, quand même, c'est un terme que mes parents pourraient utiliser. Ma mère, je te jure, elle me disait: Ah, Wildy, tu veux une schneck? Je dis: Bah oui. Tu veux une schneck au réseau? Je dis: Bah oui. Non, mais dites-moi, je suis pas le seul quand même, je suis pas fou. Mais moi le jour où ma mère, elle me dit: Tu veux une schneck, mes frères. J'ai vécu en Alsace pratiquement toute ma vie, frère, et j'ai jamais entendu schneck pour un pain. Sérieux? Ah, je croyais, voilà, pour moi, c'était vraiment. Les pompes, ils puent le. Hein? La merde, frérot, mais tu peux dire merde, c'est bon, il a trop peur. Pourquoi tu le dis, c'est un gros mot. Ça a changé, je t'ai dit.
C'est bon, là, on est de retour en 2015, frérot. On peut dire toutes les insultes qu'on veut. Aïe, ok, alors les gars. Non, je rigole, ouais, je rigole, comme toi. Et venez, j'ai des splash. Ah, en fait, c'est en début de vidéo, tu peux dire. Je crois que c'est un peu plus acceptable. Mais là, j'ai des splash. Ça veut pas dire qu'il faut se lâcher non plus. Et à 3, je mets les splash si vous êtes pas là. Non, je suis là. Mais moi, j'en ai pas besoin. Mais j'en ai pas besoin, moi. Oh. Ah bah merci mon ref. Bah je vais pas les utiliser du coup. Il est trop bête ce mec. Prenez la tête. Trop bête ce mec. Prenez la tête. The B. Y'a The B. Je suis là comme ça. Je suis là pour toi là, j'ai l'air. Ouais. The B. Oh The B. The B. Ok The B. Ok The B. C'est bon. Du coup mon ref, on va pouvoir te carrer je pense là. Y'a moi. Non pas sûr. Je crois trop parce que c'est la nouvelle saison. Je suis un arrière de grosse. Tu sais, quand j'ai vu qu'il y avait les sabres, et j'ai tout de suite dit à Inara, je lui ai dit, mais c'est sûr, il va kiffer. C'est mais gros, sûr. Je kiffe. Je me suis dit, c'est sûr, là, Enoal, il va commencer à re-kiffer. Elle est trop belle cette rue. Là, wesh. Je kiffe pas mal. Hein. Là, pour l'instant, la saison. Parce que vous savez pas. Hein. Vous êtes là, vous regardez la vidéo, vous dites, ouais, Enoal, c'est le pro de Fortnite. Il a tellement lâché, c'est un lâcheur. Il a lâché le jeu. Gars. Ah non. Ouais. Non, parce qu'à un moment donné, carrément, ça le saoulait qu'on lui dise eh, Roya Fortnite. Il préférait un Uno, carrément, c'est vrai ou pas? Je vous jure, c'est vrai, c'est bon. Fortnite, les gars, ça m'a fané là. C'est plus le Enoal d'avant là. Non, mais je là, te comprends. Pour... Pas parce que le jeu est lassant, mais parce qu'en fait, toi, t'as. Frère, t'es plus jeune que moi. T'as joué, mais plus ouais. long que ton temps de vie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. 11 000 heures de jeu, frérot. C'est un truc de fou. Mais vraiment, je rigole zéro, pour ceux qui me croient pas, j'ai 11 000 heures de jeu sur Fortnite. Attends, t'as 11 000 heures, comment c'est possible même humainement? Bah j'ai joué, j'ai calculé, ça fait environ un an de jeu non-stop. C'est-à-dire, j'ai joué dès le premier jour où il est sorti, et je me suis jamais arrêté, c'est-à-dire à jouer, mais sachant que pendant le confinement et tout, ça tapait des 16 heures par Attends, jour. Attends, tu as joué en 2017? Bien sûr, frérot. Ah oui, j'étais, c'est vrai. Je te jure, j'étais un des tout premiers joueurs du jeu. Je l'ai joué, il est à peine sorti, genre les 10 minutes où il est sorti, le jeu, j'y jouais déjà. Mais à l'époque, on y avait joué ensemble aussi, non? Mais oui. Putain, c'est vrai. Hein. À l'époque, on pouvait même pas courir dans le jeu. Il n'y avait pas de parcours Vraiment. Et tout. Tu sais que des fois, avec Nara, quand on voit des anciennes vidéos, je dis, mais comment c'est possible même? Genre, les gens... Ouais, même dans l'eau, tu sais, tu courais dans l'eau. Ça me tire dessus. Tu courais dans l'eau, il n'y avait pas de nage. Oh là, frère. Les pauvres. Non, avant, t'allais dans l'eau, tu mourais de base. Non, mais non. Tiens, dans ta tête, toi. Ah, non, mais ça, c'est dans... ça, c'est à l'extrémité de la map, tu veux dire? Ouais. Ah oui, ça, ouais. Mais par contre, c'était chiant quand tu marchais dans les lacs, les longs lacs et tout ça. Ah ouais. Oh ouais, ça te ralentissait tout. Il y avait rien, il y avait ni moto, ni voiture, ni bateau. Non mais franchement, je pense que t'aurais fait un cut littéralement entre 2017 et maintenant. Un mec de l'époque, tu lui proposes le jeu en 2023, il va te dire ouais, c'est pas Fortnite. Hein. Tu sais qu'il y avait le Friendly Fire. Ah oui, hein? oui, c'est vrai. Et fallait pas te proposer ça à toi hein, à l'époque. Quoi? Ouais, tu pouvais tuer tes potes, je te jure, c'est vrai. Anas, il me tuait à l'époque. Ah, mais oui, je me souviens. Attention, la zone. Frenzy. Oh là 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 là, mais ça, mon pote. Mais ça, je me souviens, avant, je faisais des dingueries avec ça, voilà. Ouais. Mais heureusement de nos jours. Bah oui, mais heureusement de nos jours, il y est plus. Enfin, heureusement pour vous. Là, tu vois, j'aurais fait ça, j'aurais fait. Oh les gars, attrape. Chérie, tu veux quoi? Tu veux un truc d'ici? I have some money. Non, j'ai pas besoin justement, ça m'intéresse pas. Et le. Mais oui, il y a de nouvelles armes du coup. Il y a ce pompe. Ce pompe, j'aime moyennement, tu vois. Toi, t'aimes pas trop, hein. T'as dit déjà que t'aimes pas, non? Ouais, celui-là, attends, tu l'as testé lui là? Celui-là. Ouais, il pue du cul. T'aimes pas? Et du coup. J'ai vu, il pue du cul un peu. Après, j'ai vu quoi d'autre? J'ai vu on dirait une Scar, mais pareil, elle a un bruit de munitions, enfin de tir, tu vois. Ouais, ça j'ai vu, par contre, elle a l'air bien. Ça réajuste à côté. Et celle qui est en or, j'ai remarqué, je crois, elle a une meilleure cadence de tir, je crois. Vas-y, venez, venez. Ouais, ouais je sais bah, pas. C'est possible. Hein. Mais je sais pas si c'est possible. Est-ce que si tu augmentes en couleur, est-ce que, genre, vraiment la cadence de tir elle est plus rapide et tout ça? C'est fait pour ça, les couleurs. Moi, je pensais que c'était que pour les dégâts. Non. Merde, j'ai laissé une popo là-bas. Enfin, ça dépend lesquelles, mais généralement, celle en or, elles ont plus de cadence de tir et tout. Par contre, ça, c'est meilleur truc addition au jeu. C'est tu vois, c'est les petites améliorations là.
Regarde, là, je glisse et j'ai des munitions. Ça me fait comme des... Bah oui, ça me fait des munitions normales. Ils sont en face, là, j'en ai tué un. Ah ouais. Attends, je suis en train de m'amoller les pinceaux, là. Où ça? Là, là. Ils sont deux, hein. Je vous garantis rien, mais je vais essayer. Oh. C'est incroyable. Oh là là, mon dieu. Ça fait plaisir de voir Enoal. Tu sais, il a l'étincelle qui est en train d'être ravivée, ma foi, la flamme. Ah, mais vraiment. Parce qu'il n'y avait plus ce truc-là à un moment donné. Ouah, t'es trop chaud ce que t'as fait. Aïe. T'as utilisé ça pour le... Eh ouais, elle a crack. Ah là 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 là. Oh merde, il m'a tué. Oh putain, quoi, il est vraiment nul ce con. Mort. Mon dieu. Ah, je vais mourir. Non. J'ai juré le... Bon bah c'est plié. Trop nul. Je ne prends plus de pompe dans mon inventaire. Mais bon, il avait rien. Ouais, j'ai tout maîtrisé, coup de lame et tout, je vais sauter dessus, le pompe il tire pas, frère, allez c'est bon. Mais ça tryhard hein, je t'ai dit. Oh, je me suis niqué. Ah, ils veulent jouer comme ça. Ils veulent jouer comme ça, hein. Des fois ça... Comment on appelle ça? Ça dégage la gorge. Bon, on se retrouve après un petit cut. Par contre là, vraiment j'ai remarqué, on dirait que c'est... C'est quoi ce monstre là au-dessus de l'immeuble? Ah, c'est comme un dragon. Mais sûr, il y aura un événement avec. Tu crois? Mais en plus, les mecs avec qui on se tapait hier, ils étaient au-dessus de l'immeuble. Mais il va pas là-bas, chérie, hein, parce que... Ouais, ouais, non, mais c'était juste pour montrer en vrai. Mais on dirait un moitié Godzilla, moitié Bowser. Trop bizarre. J'avoue qu'il est bizarre un peu. Ouais. Il y a une... Mais tu sais que ça faisait du feu. Ça faisait du feu dans le ciel. C'était trop chelou, Wallah. Wallah, il fouille. Et est-ce qu'ils ont laissé les trucs ou pas qu'on peut mettre aux voitures pour tout déglinguer après? Ah, je sais pas. Parce que vraiment, je vais pas kiffer s'ils ont coupé ça. Bah là, il y a pas l'air. Mais quand on se dit je vais pas kiffer, c'est genre Ah, ok. Voilà, je vais tout péter. Ça m'a pété. En fait, j'essaie de glisser, j'ai pas réussi. J'ai pas sprint. Aïe, aïe, aïe. Mais je pense qu'il n'y a pas parce que normalement dans les stations essence, il y a toujours des pneus un peu partout. Ah ouais, où? Là, là. Where are the boys? À l'attaque! Mais moi je suis pas prêt vraiment. Ah voilà, c'est ça la sorte de Scar, non? Il n'y a pas besoin d'être prêt, les gars. Give me the lingo. Ok, qu'est-ce qu'on a? Enoal! Ah, il n'y a rien pour l'instant. Eh, vas-y. Enoal! Niquez ce petit. Quoi? Mais il y a du gibier! Y'a de la viande! Ouais, mais frère, attends-nous, mort! I am the janitor. Après nous, on fait quoi? Mort, ouais. Deux morts. Mais c'est comme ça, Enoal, c'est. Son deuxième pseudo, c'est Enoal Solo. Non, c'est pas Han Solo. Arrête de dire ça, c'est pas vrai. Y'a de l'herbe qui dépasse les rails. Y'a Hmal dans la maison là. Où ça? Ici là? Là où tapine? Ouais. Non, là où je suis. Et t'as capté, là où tapine, c'est vulgaire. Il faut pas essayer de faire l'explication, ne fais pas l'explication, mon ref, ça suffit. Alors, vous voulez vous expliquer ce qu'il vient de dire, c'est une blague? Alors, là où j'épine. Oui, là où tapine. Ah, où elle dit. Ah, frérot, il faut que je me réarme. Enfin, il faut que je me heal. Oh my god, man. Il y a un petit filou en dessous de moi. Ah, mais il y a encore la neige. En vrai, j'aime bien la neige. It's not bad. Oh. Il y a quelqu'un avec nous dans la maison encore? Ouais. Il y a beaucoup de quelqu'un même. Il y a plusieurs quelqu'un. Merci. De rien. Adi. Ah. J'ai juré, maintenant c'est mieux que le pompe ça, frère. C'est quoi? T'inquiète, le katana il est mieux que le pompe, j'ai juré. Vas-y, je vais le prendre parce que je l'ai pas montré aux gens parce que moi dans ma tête c'était déjà fait. Je l'ai déjà fait hier, du coup j'ai pas remontré. Mais en vrai. Mais en plus, je te jure, j'ai tué des mecs avec hier, c'était trop stylé. Tiens, il y en a un autre là si tu veux. Et j'étais trop fier, comme par hasard ça filmait pas. Comme de par hasard. Mais par contre, ça éclate pas les construits ça. Ça là. Quand tu fais ça, genre. Ah si! Mais hier, quand je l'ai fait sur des construits, ça n'a pas fait grand chose. Ça dépend les construits, je pense. Mais c'est qu'il fait pas beaucoup de dégâts aux construits, mais il en fait quand même. Mais ça veut dire littéralement, c'est un peu le remplaçant du marteau. Et ça me saoule. Parce que le marteau, c'était trop bien.
C'était vraiment ouais, trop bien le marteau. C'était mon chéri, wesh. Non. Carrément, il y avait vraiment une histoire d'amour qui commençait à fleurir et puis après. Eh, le marteau, c'était un marteau ou un mon chéri, je comprends pas, pauvre, tu sais, le mec qui a pas compris. Je sais pas. Oh non, mais tu sais qu'il y a pas de montage dans cette rediche, mon gars. Je perds mon prime, Marie. T'as pas fait une masterclass là. T'es finito, frérot. Ah, je suis finito, frère. Ratio. Waouh, j'adore l'eau, frérot. J'ai juré, les motos, elles sont trop bien. T'as vu? Eh, mais attends, tu fais des bails de moto sans moi. Eh, attends! Ah, tu sais quoi, je vais pas vous poser la question, je vais le tester moi-même. Oh, trop bien! Tu peux faire un bail de sabre de haut, et genre, ça t'enlève pas de dégâts, ça te fait pas de dégâts de chute. T'as capté ou pas? Genre là, tu fais comme ça. Rare! Et. Aïe, je suis tombé. Oh! Je suis tombé. Les filles, je suis tombé. Je suis tombé. Comment ça? Oh, c'est bien, fusil à pompe recycleur. Moi, j'aime bien. Ça, c'est nouveau, il n'y avait pas ça. Fusil à pompe recycleur. Ok. Oh là là, moi, je me mets bien. T'as trouvé quoi? Très bien. Ah, t'as trouvé de l'or. Non, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais comment t'as trouvé tout ça? Mais ma chère, là, ma chérie, tout le temps, elle se démerde trop bien dans le jeu. Mais pas du tout, j'ai juste pris le truc de la ville. Le truc de la ville, c'est quoi? C'est le drapeau, là? Ouais, le drapeau. Ah, mais je parle même hors ça. Machin, là, tout le temps, t'as des... Enfin, souvent, dans une game, t'as souvent du bon stuff. Ah, ça y est. C'est la vérité. Tu es une dénicheuse. Qui a besoin de... Ah, c'est juste Enoal. Non, ça compte pas. Comment ça? Comment ça, mon ref? Attends, t'es où, frérot? Comment ça, mon bœuf? Je suis en train de tuer des mecs. Ah, non, mais moi aussi je veux rigole. Tuer, frère. Attends. Oh, je te balance un truc, frérot. Est-ce que tu vas l'avoir? Vas-y. Oh non. Choukran, roya. Moi, dans ma tête, c'était genre proche de toi, mais pas du tout. Attends. Par contre, la zone, les refs. Ah ouais. Mais du coup, je peux utiliser le sabre un peu pour aller vite, non? Oui. Venez dans ma voiture. Vas-y. I am gonna come. Oupla. Arrêtez avec les sous-entendus là. Tout à l'heure, tapine, tout ça là. Oh! Mais wesh! Oh, mais c'est stylé ce que t'as vu! Quoi? Mais gros, t'es chaud? Alors, y'a quoi maintenant? Bah, pas mal. Mais tu te la pètes un peu trop. Eh, mais! Ah, j'ai cru que t'avais pas pris Enara, j'avais pété un plomb. I was going to honor. C'est pas grave, fonce! Drift, on s'en fout! Je fonce! Attends, je lui balance un kit! Je lui balance un kit, frérot! Attends, tiens! Oh mince! Attends! Mince! Nique ta mère! Tiens! What? Mais c'est super violent, chérie! Mort! Mais vous m'avez rien laissé! Aïe aïe aïe, c'est dommage, là, y a pas de montage dans cette rediff, mais d'habitude, vu qu'on montre les meilleures actions que je fais. Donc voilà, je suis plus mis en avant. Là, j'avoue, c'est un peu moins. Là, vous voyez la réalité des choses, les gars. Ouais. C'est nous au carry. Venez. Eh, mais quand tu carry, faut aller chez le dentiste après. Ah, ça y est. Lol. T'as capté ou pas? Lol. De quoi? Oh putain, vous avez même pas entendu, c'est pas grave, c'est bon. Si, j'ai compris. Non, c'est mieux comme ça, parce qu'après, vas-y. Ah, j'ai compris, dentiste, carry. Ah, bah t'as entendu alors, et tu faisais genre, t'as pas entendu. Oh, ça me dégoûte. En fait, tu voulais vraiment me faire du mal en répétant. De quoi? Attention, il y a des gens là. Changement de voiture. Où il est? Bah vas-y, reste dans ta caisse, ouais, mon gars. Ouais, mais frère, t'es parti tout seul là. Ouais. Lift. Eh, mais c'est un bot, lui. Y'a pas que des bots, hein. Ah ouais? Oh, mais elle fait des drifts trop faciles. C'est quoi le truc là-bas, là? Mais mon ref, Eno. Oui. Tu m'as menti, là. T'es éclaté, en fait, en drift. Moi, je pense. Il est juste là, il est juste là. Je vais la voir, chérie, je vais la voir. C'est moi. Hey. Pas. Il s'est taillé. He's going to tame, man. Oh my god. Oh, il est là. Mais non, mais ça, c'est des bots. Il est mort. Mais aide-moi, Mina. Il est mouru. Oui. Y'en a un autre. C'est pas grave. Ma chérie d'abord. Mais. C'est pas ma famille d'abord, c'est ma chérie d'abord. Mais ma chérie, c'est ma famille, donc c'est pareil.
Allez. C'est mignon. Voilà. T'as pas de heal. Tiens chérie, tiens. Attends, j'ai prévu ça. Par contre, c'est moi où j'ai plus de constru. Mais ouais, j'avais plus de constru, mais... Je crois que j'en avais même pas ramassé. Franchement, je suis dans la bu... Eh, Eno. Ah. Ouais. Tu meurs pas, mon ref. Non, je suis en train de le suivre, là. Il a plus de vie, je vais le niquer. Oh, ok. Moi, je préfère ce pompe. Peut-être que j'ai fait un mauvais choix, mais je préfère ça. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Attends, chérie, peut-être que je te balance des splashs. J'ai deux splashs. El splashitos. C'est bon, mon gold, t'inquiète. Non. Tu bouges pas, s'il te plaît. Ah oh là, mon dieu. Ouais, tu m'as fait trop peur. Est-ce que je t'ai touché au moins? Oui, oui. Avec les deux? Oui. C'est bon. Il me casse les couilles, Zubi. On a des quoi sur les vulgarités, mec? Pardon, merde. C'est bon, il est mort. Je rigole. Ah bah, enfin. Il est vraiment trop beau. À un moment donné, j'avais vraiment peur qu'on puisse plus rien dire sur YouTube, je te jure. Moi aussi, j'ai très bien cru. Aïe. Un fun breath, man. Eh, ça regarde des séries en ce moment, mon ref? En ce moment, frérot. En vrai, non, j'ai fini oh, à l'issue. Ça a rien. Ah, Borderlands. Ça a rien, ah, ouais. Deux personnes là-bas. Ah ouais. Mais sinon, non, en ce moment, je suis pas trop Netflix là. Et toi, Royo? Ah, j'ai envie d'en parler, mais j'ai peur que ça spoil. Tu vois, j'ai peur que ça spoil dans les commentaires. Des fois, il y a des gens. J'ai pas encore fini. Vas-y, attends-moi là. Tu fais quoi, wesh? C'était une feinte, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ton gros fiac, c'était une feinte, ouais. His fiac was a feintos. Oh, je vais le défoncer, ce gosse. Eh, oh, arrête. Et il commence à troller. Non, vous savez pas, en fait, je vous jure, Eno, il est trop méchant. Allez, chérie, viens. Il est trop méchant. Oh, attends, viens, on teste un truc. Mets-toi en bas. Il a un HP. J'avais envie de tenter un truc. Attends. J'avais juste envie de faire un truc comme ça. C'est bien. Mais non. Ah, c'est trop bien, frérot. T'es vraiment un yash. Hey, mais de toute façon, j'ai percé ton secret. T'es nul en drift, frérot. C'est eux, ils ont grave facilité ça. Ouais, c'est vrai. Ah, ni Tokyo, ni Sanya. Tren, tu connais ça ou pas? T'as la ref? Ah, ni Tokyo. Enlève-moi cette musique, c'est un copyright. Et en plus, c'est pas si ouf. Ils ont descendu la montagne. Hein. Mon ref, ça va exploser. Mais où, là? Putain, c'est bon, c'est eux qu'on va exploser. Oh, mais c'est quoi la voiture que je viens de voir voler là? C'est peut-être la nôtre. Oui, c'est la vôtre, je sais. Oh, j'ai fait. Oh. Mon ref, pourquoi tu m'enfermes dans des construits là? Mais j'en ai marre de vos labyrinthes, vous savez quoi? Fightez-vous entre vous là, c'est bon. Ah, vous faites de la géométrie, mathématiques, je sais pas quoi. Moi je suis là pour jouer à des jeux de tir. C'est quoi? Je vais détruire vos trucs là. Mort. Petit. Tu l'as petit eu? Petit fou. Il s'appelle Petit Fou, oui. Bien. Ah frérot, je sais que je suis plus le même Noli, mais quand même, un peu de respire. Ouais, non, parce qu'on m'a dit que t'étais plus à ton prime donc. Ah oui, Archie. Il veut quoi lui? Mais. C'est moi. Elle est fière d'elle en plus. Ça arrête. Non! Non, mais arrêtez, après j'en ai marre! Et il s'est passé une dinguerie là. Je l'ai eu! Pendant qu'il prenait la tiro. Attends, mais je comprends plus rien ce qui se passe là. C'est bon. C'est qu'ils sont finitos. Mes frères, la honte. Ils ont flopé. Mais là, j'ai fait même pas un kill là. J'en ai marre, vous m'avez rien laissé. Flop, frérot. Ah merde, viens. Ah, t'as vu ce que ça fait? T'as vu? Moi aussi. C'est bizarre ça. Mais je crois que c'est les flammes qu'il fait. Le frérot là, non? Le dragon sur l'immeuble. Ça fait un truc tout rouge dans le ciel. Mais qui c'est qui a réa? Je vais tout péter là. Adou de miaou, tika minou mana manimou. Copyright! Adou de miaou. Le mec trop Matrix. Miaou. Hop là! Je vais te faire copyright. Ah. Et hop là! La zone! Venez, prenez ça! Ouais, la zone. Non, regardez, j'ai pas besoin. Voilà, mais pourquoi tu me copies, frérot? T'as pas d'originalité. Devancé, frérot. You have no originality. You have no soul. Aha. Soul. You have no soul. Quelqu'un veut quelque chose de ici? Parce que j'ai trois clés. Moi, j'ai deux clés, mais en vrai, il y avait rien d'intéressant. Ouais, c'est vrai. C'est
Ah, tu nous proposes quand même alors, hein. Bah, moi, mon loot est très bien, c'est pour ça que j'ai pas besoin. Ah, par contre, c'est vrai, j'aurais bien voulu une grosse popo si vous avez. Sinon. Ah, bah, là, j'y pas. Je me mets. El Splashitos. Ah putain, tu vois, j'ai des trucs de vieux là qui se. Ah non, je déteste ça. De quoi? Est-ce que ça vous arrive, vous, pas les raies, quand vous restez assis? J'ai des fourmis. Dans le bas du dos. Non, dans les jambes. Dans la jambe gauche. Je te jure, ça me fait des fourmis, j'en ai marre. On d'habitude, c'est cut ça. Supérieur, là, mais là, ça m'a pris comme ça d'un coup. Maintenant, vous savez que je suis un vieux. Oh, il y a un build fight. Il y a un fight de labyrinthe. Mine de rien, je vais avoir 28 ans. J'ai des problèmes de gens qui ont 48 ans. C'est très rassurant tout ça. Mais bon, inchallah khair. C'est quoi ce truc? Pourquoi c'est entouré comme ça? Où ça? Ah ouais, j'avoue. Sur la map, c'est entouré. Ah, il faut monter, c'est en haut. Mm-hmm. Et je suis jamais allé là. Du coup, si vous pouvez me rassurer, on peut peut-être créer un comité de vieux dans les commentaires. On me dit, ah ouais, moi j'ai un problème au dos, mon ref et tout. Moi j'ai un problème. Quoi? Non, YouTube me l'interdit, frérot. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai un problème. J'ai un problème que je peux pas attention, parler. Attention derrière toi! Mais vous êtes où là? On est en haut! Où ça? Mais j'ai pas vu cette zone, moi. Ah ouais, donc là vous partez. Dans des. Vous pouvez me laisser le truc doré, s'il vous plaît? Ah oh ouais. Moi si. Mais là, littéralement, je suis en touriste. Hein. On a capté. Il y a un pélo, il est parti, je sais pas où il est, il va me bénir. Vas-y, viens, chérie. Attends, j'arrive. Mais j'essaye d'accéder en pétant les murs, je sais, je me complique la vie. Ils ont pris la pété. Ouais. Merci. Merci. Il y a des clés, mon ref. Ouais, j'ai 3 clés. I have the miftah of your ass. Oh non, il y a la zone nouveau, faut qu'on descende là. Mais t'as pas de sabre, chérie? De quoi? De sabre. Oh, ah non. T'allais m'éclater. Je te jure, t'allais m'éclater, Eno. Ça? Mais oui, t'as éclaté la constru, j'étais dessus et j'avais même pas encore chargé. Mais ça te propulse? De quoi ça me propulse? Ah, mais ça éclate les constru. Ouais, ça éclate. Ok, bébé. Attends. Faites gaffe. Ah! Encore! Il y a un coffre légendaire là. J'en ai marre. Venez, mais est-ce que. Est-ce que toi, c'est un truc de splash ça? Oh ça non. m'attaque! Non. T'inquiète mon ref. J'arrive. Utiliser. Oh non, ça va péter. Ça va péter, mais je vais l'utiliser contre eux. Contre eux! Ah! Mais arrêtez! Bon. Non! J'en ai marre de mourir! Me fais tout le temps cueillir après! Ah! Mais je vous jure que je suis fort! Hier j'ai fait des. Non! Mort! Bien wesh! Wallah que j'ai fait des beaux kills hier! Bien, c'est vrai ou pas, chérie? Ouais, c'est vrai. Et on n'est plus que. Deux? Trois, pardon! Mais arrête de mourir! 3v3. T'as Enwal, je pensais pas que t'allais le faire, mais t'es vraiment gentil, pour une fois. T'as vu, frérot? C'est dingue. Un bon mot. Parce que je me suis dit, quand Eno vient t'aider, en vrai, il. Il vient de s'abouter. T'as pas des balles, frérot? Des quoi? T'as pas des balles, frérot, parce que je t'ai aidé et tout. Tu veux des balles de quoi? Non, 10 balles. 10 euros. Ah des balles non. De quoi? Je t'ai aidé, frérot, et tout. Ça me rappelle. Chérie. Hein. Oui, non, t'inquiète. Ça me rappelle, chérie, dans LOL, quand Jonathan il a sorti 10 balles, il a dit, tu veux pas sourire pour. Non, il a sorti 20 balles. Peut-être je spoil. Bon, je fais une pub gratos pour Amazon Prime, si vous voulez. Amazon Prime. Ah, putain, tu viens de me spoil LOL, là. Kiri. Je voulais le regarder, frérot. C'est qui? Attends, c'est Kiri. Kiri, sors. Non, c'est... Tu ris, tu sors. Non, c'est Kiri, sors. Kiri. Ouais, je sais pas. Ouais, bref. En gros, c'est ça le concept. Il y a une shop là-bas. En tout cas, je te jure, c'est très drôle. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Regarder, c'est sympa. Là, il y a des mecs. Rentrez pisser, les frérots, si vous êtes comme ça, là. C'est un truc de fou. Attends. Mort. Mais j'essaie de les. Putain, tu sais qu'on lui a mis double tête en même temps. Oui, vraiment. Mais j'ai envie d'y arriver. C'est incroyable. Ouais. C'est bon, je peux vivre ma vie, là. Il y a quelqu'un, là, qui est à mes trousses. Je sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui me tirait dessus.
Et en fait, j'étais en train de galérer pour essayer de choper des tonneaux avec les constructs. Tiens, tiens, il y en a là. Je raconte grave ma vie, mais... C'est un moment qui m'a stressé. Genre ça, c'est le genre de truc, tu dis, nom de Dieu, si je le rate, je vais mourir. Et faites pas top 1 sans moi, s'il vous plaît, je vais trop avoir le seum. Hop là. Ah, c'est un peu trop tard. Non. Il reste qui, là? Ah, il a utilisé son sabre, le bâtard. Il reste deux mecs. Tranquille. Ah! Il y a plus qu'un, frérot. Attends, il est dans le buisson. Ouais! Non! Allez, chérie. Tu peux l'avoir. Vas-y. Let's go! Let's go! Voilà, c'est comme ça qu'on fait ici. Franchement, vous me l'avez servi sur un plateau. C'est très gentil. Je pensais pas que vous allez faire ça. Mais en fait, ça m'arrive plein de fois comme ça. Je sais pas que c'est le dernier. Tu le butes en mode, oh oui. Et du coup, bah voilà. C'est vraiment. Dès qu'on se retrouve après un petit quel ce jeu. Ouais. Putain, en vrai, je kiffe trop la glissade. The glissade is my life. Ok. Oh. Oh, j'ai pas essayé de switch en plus. Hey. Mais. Quoi? Je vais tout casser. Au moment où je suis en train de flex avec la glissade, je fais une rencontre subite avec un méchant. Et il me tabasse. Méchant. Voilà. J'arrive pour rien. Bah, j'ai envie de dire que ce fut court, mais intense. Voilà, exactement. Tu connais. Généralement, quand on dit ça, c'est pas bon signe, mais bon. Aïe. Ah, c'est toi, là? Ouais. Mais attends, t'as un skin de nous ou c'est quoi comme skin? Il a un... Là, il a bille. Du coup, mon ref, c'est quoi comme skin que tu portes là? Le skin de base. Oh putain, j'en ai qu'un, Roya, ils sont trois. Mais c'est le skin de base. Ah, donc là, t'as pas de skin? Non, zéro, rien. Miskin. Ah, miskin. Miskin. Blaskin. Miskin, blaskin. Ah, mais c'est déjà fini la partie? Ouais. Mais t'es morte comment, chérie? Bah, je suis arrivée, ils m'ont niqué, ils étaient trois. Et j'avais une arme grise, wesh. Du coup, c'était pas en train de filmer quand j'ai dit ça, mais en gros, j'étais en train de dire Enoal, je l'ai laissé faire pour choisir l'endroit de la map, mais à cause de lui, on est mort. Laissez faire au Bouygues. T'as dit quoi, frérot? Non, c'est bon. J'ai vraiment repris le filmage à cause de ça. Vraiment. Ah, la catastrophe. Mais le pire, c'est que moi, j'aime trop. Mais tu sais, attends, il y a vraiment deux écoles par rapport à ce type de blague. Il y a ceux qui disent, ouais, c'est de l'humour simple, mais voilà, vas-y, c'est drôle. Et il y en a qui disent, bah, ça me fait juste pas rire, en fait, tu vois. C'est non, juste en vrai, gênant. En fait, la gênance, elle me fait rire, moi. Du coup, ça me fait rire. Ah, le malaise, regarde. Ouais, bah, en fait, des fois, je me dis, ça sert à rien. Parce qu'à l'ancienne, je crois que j'essaie d'être drôle et j'étais pas si drôle. Et non, mais ça, c'est vraiment un débat, j'ai envie de vous dire, la vérité. J'ai l'impression que la perception des gens par rapport à l'humour, elle est trop différente. Des fois, je dis un truc, pour moi, c'est normal, et des gens dans les commentaires, « Waouh, putain, quand il a fait ça, trop débarre !» Moi, je suis en mode, « Ah bon ?» Bah, c'est gentil. Ouais, mais... bien sûr. Et... Ouais, non, mais c'est... Alors, en mais fait, autant, dépend, moi, mais... je peux voir des trucs, je trouve ça trop drôle. Je me montre à Enara, et elle est en mode, « Bof, hein. » Ouais, autant, moi, je trouve des trucs très drôles, et toi, « Bof, quoi. » C'est vrai. L'humour, c'est comme ça, c'est variable. Oh, les gars, ouais, c'est dingue. Quoi? Je viens de recevoir un message, j'ai gagné un iPhone 12, frère. Ouais, je suis mort. Mais wesh. Mais c'est encore un scam. Après, il se demande pourquoi il a 10 000 virus sur son PC. Mais non, c'est vrai. C'est Squeezie, frère. C'est un vrai. C'est le D'ailleurs, comment t'as chopé ton autre virus? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes réseaux un peu illégales, alors, ma foi? Ah oui, alors en fait, je t'ai téléchargé du film. Non, je rigole. du film, déjà, non. Ça veut dire. Non, mais en vraiment, gros, faites gaffe à ce que vous téléchargez sur internet, les règles, parce que je vous jure, il y a des trucs. Ah oui, après, en plus, il m'a dit, mais pourtant, gros... j'ai rien fait de. Oh non, frère. Non. Ah, j'ai pas d'arme. Mais moi non plus, j'ai pas d'arme. Ah non. Quoi? Je suis toujours avec des queumés comme ça. Du coup, les gars, bah en fait, je cherchais un crack pour Vegas Pro qui marchait. Du coup, j'ai été chargé tous ceux que j'ai vu. Mais bah, c'est illégal, ouais, je c'est une dinguerie. Non, mais c'est mais des cracks aucune subtilité. Mais non, je mais condamne le piratage. J'ai jamais fait ça de toute ma vie. Même quand j'étais petit et tout.
Jamais, 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 jamais. J'ai toujours acheté tous mes jeux, même sur PS2. Et d'ailleurs, j'ai absolument pas acheté les PS2 parce qu'il y avait les jeux copiés dessus. Oh, c'est du piratage. C'était. Ouais, je crois que c'est un peu du piratage. Ouais, ouais, c'est quoi ce. Les cheats, c'est pire que le piratage. On peut éclater là, non. Je condamne le cheat. Mais sur d'ailleurs. Les jeux vidéo, vous êtes condamné à 3 mois à perpétuité. Mais est-ce trois que. 3 mois perpétuité. Mais est-ce que tu leur as parlé de ton aimbot là? Tu leur as parlé ou pas? Les gars, mon aimbot, vous téléchargez achète-toi un skill.com. Et voilà. BAM! Le clash dans ta mouille. Hein? Le clash dans ta mouille? Ouais, tu connais pas? Ça veut dire quoi? Attends, dire dans non. Ta gueule. Ah, ok, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Les Rey, il fallait que je vous dise, honnêtement, j'ai une haine profonde envers certains skins. Il y a déjà les skins banane glacée. C'est ce que j'allais dire. Voilà, il y en a un juste là, j'ai envie de vous le montrer glace. Là. Il est juste en face, les bananes glacées. Regarde, moi ça me refait le bug, chérie. J'ai un bug. Quel bug? C'est quel un bug, bug où tu trimbales ton arme comme ça. Ah, quand tu cours. Ouais. Quand tu sprintes. Ouais, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Et bref, j'ai une haine profonde envers les bananes glacées. Les bananes normales, j'ai pas de soucis. Mais glacées, elles ont une variante vicieuse. Et ensuite, les skins de joueurs de foot dans le jeu. Oh, ah ouais, wow, c'est un truc de fou. Ils viennent en team. En team de joueurs de foot, ils t'éclatent. Ensuite, t'as les licornes et t'as les astronautes. Tu vois les astronautes avec les lunettes ouais, là ouais, ouais. Trop ouais. Méchants. Eux, ils m'ont tapé des Hagra dont je me souviens, tu vois. Et vraiment, j'aime pas. Et du coup, Eno, toi, c'est quoi les skins que t'aimes pas? Moi, rien ne fait peur. Ouais, ça, j'aime pas, c'est le mien, parce que je sais quand on compte. Mais moi, par contre, lui, Eno, il a des rêves. Ouais. Il a des rêves de joueur professionnel. Ça veut dire, des fois, à son skin, il dit, ah, lui, il est chaud. Par exemple, t'en avais pas un, c'était une meuf. Et tu m'as dit, ah ouais, lui, franchement, si t'as lui. En fait, tu le reconnais, parce que il y a certains skins qui sont utilisés que en par des tryhards. Et généralement, quand tu les vois. En fait, tu peux connaître leur style de jeu, tu vois, si c'est des mecs qui vont construire à mort, si c'est des mecs qui vont jouer tactique et tout, bref. Et Bah après, coup, c'est oui, trompeur. Oui, c'est trompeur, parce que... Genre toi, là, par exemple, on peut pas savoir. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a toujours des exceptions, tu vois. Mais non, généralement, pour les, moi, les skins... Pour moi, si tu vois un Kemé, genre avec un skin de base, là, pas un skin acheté, genre comme Enoal, là, et qui sait bien construire, c'est que c'est un fou furieux. Ah ouais, donc c'est en fait un pro sur son compte secondaire, comme lui, quoi, tout voilà, simplement. Voilà, comme c'est une ça, un smurf. Attends, c'est ça le smurf? Ouais, c'est le un... smurf, c'est quand t'es en soum-soum sur un compte tierce, en fait. C'est ça. Ah, et c'est pour ça, des fois en game, ils te disent, attends, mais là, je peux pas déconner, je suis sur mon main, c'est ça ou pas? Exactement, le main, wow, c'est le principal. Mais mec, là, je viens de découvrir un truc de pro. J'entends mais des ouais, mecs qui disent, là, je suis sur mon main, là, je... Là, là, l'autre il est sur il son smurf. Mais tu oui, sais là, que là. Smurf ça veut dire schtroumpf. Oui. Et ben pourquoi vous dites smurf les Rey? Pourquoi? Vous pouvez m'expliquer un peu ce terme? Bah, parce que schtroumpf c'est genre, tu sais, petit quoi, c'est un truc en mode tu t'emballais. C'est schtroumpf. C'est en chérie, ça petit va quoi. Non, monsieur, allez, qu'est-ce qui se passe? Alors là, tu m'as fait peur. Et ouais, du coup, ouais, le main account, bah moi, mon main account, c'est. C'est Enoal. Il est sorti de mon fiac, ce fils de. Là, Enoal in the Binks, la Malay Gang, c'est tout, c'est des Smurfs. In the Binks. Et t'as combien de Smurfs? Bah, autant que je me fais avec mes comptes. Astaghfirullah. Mais du coup, en fait, c'est. Tu t'entraînes, en fait. Ça tire, hein. Bah, non, en fait, les Smurfs, généralement, c'est juste quand les mecs de ton niveau, ils te saoulent et juste que tu veux gagner des. Tu veux gagner, genre faire soit battre des records de score, soit. T'es drôle, toi. Genre améliorer tes stats, tu vois, bah tu fais un smurf et du coup tu te rends compte des mecs nuls et c'est facile. Donc t'améliores ton skill sans impacter le score de ton compte ou je sais pas quoi. Ouais, voilà. Non, en gros, tu crées un autre compte pour avoir un compte, genre avec un score de ouf, tu vois. Ah, j'ai capté. Alright, alright. Juste pour t'amuser, jouer contre des nuls et gauleries, tu vois. Mais c'est un point important que tu dis parce que frérot, en fait, j'ai l'impression. Vraiment, rien, au bout d'un moment après. Genre, tu t'amuses plus quand t'es trop sur les perfs, tu vois ou pas? Ah ouais, ça devient chiant, t'es tout le temps en pression et tout. Mais moi, personnellement, déjà, rien que je regarde certains streams de joueurs Fortnite, c'est même pas des joueurs pro Fortnite. Mais les gens qui veulent que les... Que genre, c'est un jeu ultra fluide. Frère, c'est même plus Fortnite, leur jeu. Leur jeu, il y a des textures, genre... Je sais pas, c'est une texture mobile, machin et tout. Ouais, ça c'est vrai. En fait, c'est que ça améliore ton temps de réaction, ta rapidité et tout, parce que t'as moins de détails et
Et mais... tous les joueurs pro, ils jouent avec des détails. Regarde-moi les arbres, là, je les vois en cube. Hein, genre, ouais. Ah, t'es sur Roblox, en fait. Ah, frérot, attends, regarde, juste t'envoie un screen en 2 spi. Moi, je pourrais pas l'inclure à la vidéo, mais... T'inquiète, mais juste pour que tu voyais vite fait à quoi il ressemble, mon jeu. Vas-y, je vais voir. Hein. C'est vrai, là, quand je vois, ça fait... Ça claire un petit peu, quoi. Mais après, ah, voilà, ouais. C'est un style de jeu, quoi. C'est... On va dire, on s'en fout des textures, on est là juste pour tirer sur les gens. Exactly, man. Oh, j'ai des petits coffres, man. Et j'ai un petit splash pour quelqu'un qui est intéressé. Oh, why not? Un petit... Moi aussi, j'ai un petit splash, là. Mais bah, juste un seul, quoi. Attends. Moi, oh, oh, yeah. Thank right. You, oh, yeah. Du coup, là, est-ce que tu la sens bien, cette game, man? C'est comment? Ouais, là, on part sur un petit top 1, les 15 kills, je pense. Mais frérot, déjà, je me suis fait humilier dans cette vidéo, je te jure. À part le kill top 1 que vous m'avez servi, voilà quoi. C'est pas... Mais ouais, frérot, là, tu peux pas te valoriser, tu peux pas. Bah, d'habitude, c'est vrai qu'il y a... Il y a Ilyes qui m'aura un peu servi, c'est vrai. M'aura un peu servi en mettant... tu sais, bah pour ceux qui savent pas, Ilyes, c'est le monteur. Et du coup, il s'occupe bien normalement de mettre en avant. Non, c'est pas vrai. Si je fais truc éclaté, il le met. Hein. Mais. Bah, c'est les meilleurs moments. Faut arrêter de mentir comme ça hein, aux gens. Bon, mais après. Pourquoi il y a un tremblement de terre là? Des fois, je lui fais des petits coups de pression en mode frérot, là, si tu mets ce moment là, je t'enlève 10 balles et tout ça, tu vois. Il va y tomber, wesh. Enfin, ah bref. Ouais. C'est t'as comme pas ça. Des balles de snipe? Oh. Oh, j'ai trop kiffé ce que j'ai fait là. Merci. J'ai pris merci. Deux tyroliennes d'affilée. Eh, hey, pourquoi ça a tremblé? Je crois que le dragon il a refait son truc ou pas? C'est quoi ce son là? Oh my god. I like to take the tyro. Je me tège. Salut! Ouais! Mais de quoi? Ouais. Mais vous aurez pu vous faire très mal comme ça. C'est dangereux. Parle mieux. Parle mais mieux. Arrêtez de tirer dessus, wesh. Parle mieux, je te dis. Parle mieux. Mon ref. Voilà ce que j'essayais de montrer tout à l'heure. Je voulais montrer qu'on pouvait faire ça. Voilà, c'est ça qu'on aime. Voilà. Oh non, franchement, ça, je kiffe. Et la vie, elle est vraiment trop belle. Hein. Pourquoi je fais ça? Je suis trop nul. Mais bon, c'était satisfaisant le temps que ça a duré, quoi. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien les petites additions. C'est qui est en moto? Il y a un mec c'est en face sûrement de moi, pas moi. Ok. Attention. Wouhou. Ah ah. Qu'est-ce qui se passe? Oulala. Attendez, je me stuff d'abord, c'est plus important que vos oh, fights, là. Oh, il m'a niqué avec le sabre, c'était trop stylé, quand même. Ah ouais? Mais c'est vrai, j'ai pas de sabre, je me disais oh, ça me manquait non. De quelque chose là. Merci beaucoup. Tu l'as eu? Oh non. Il en reste un dernier. Il est là. Oh putain, il a un HP. Vas-y, chérie, il a un HP. Il est où, le haram? Il est là, il est en bas, derrière toi. Ouais, je sais. Quoi? Ah non. Putain. Non, j'avoue, là, c'est moi, je fais de la merde. C'est moi, j'ai fait de la mare. J'en ai marre. La mare et la rivière. Bref. Attends, là, il y a Brutal Baston, là. Oh, Brutal Baston. Ah non. En fait, c'est des problèmes. Vas-y, viens, on va dans... Ouais, ça. Viens, les problèmes. Non, c'est bon. Un problème. Non, mais j'en ai marre, moi. On spawn dans la ville ou pas loin, on se fait éclater. Non, mais attends, on a pin un truc ou c'est le seul endroit où il n'y a pas de neige. Bah, c'est juste à côté de la neige, du coup, donc ça va. Ouais. Pourquoi il y a... Attends, c'est moi où il y a une giga ombre? C'est les nuages qui font des ombres? Ah ouais. Toi, t'as ça sur ton jeu, chérie? Ouais. Ah bon? Wouah, trop bien fait. Je vois la neige. Mais là, ça bouge, les nuages, en plus. Les ombres, ils bougent, là. Ouais. Bon, c'est vrai qu'Enoa, le skin, il a pas ça sur... Ouais. Après, c'est pas un skin. Merde, fait... je suis trop con pour aller là-bas. Wow. Ça veut dire que tu vois pas la neige qui brille et tout? Non, mais attends. Vous voulez aller là? Non, mais chérie, non, j'ai une question. Est-ce que ça, c'était là, la dernière saison?
Mais vous l'allez où là? Mais moi je peux pas atterrir plus loin. Ok, bah viens, on va. Est-ce que le Big Ben de Tilted c'était toujours là? C'est ouais, le Big Ben de Tilted ça? Si, dans la grotte. Ça veut dire Tilted il est enfoui sous la glace? Je crois bien, ouais. Mais attends, ça a toujours été là du coup? Non. Mais moi, comme on dit, 11 minutes tardos ou je sais pas quoi, bref, je sais jamais le dire. Mais vraiment, je savais pas. Attends, c'est ça qu'un jour t'as vu, chérie, avec l'IMSA? Ouais. Et vous avez dit, ah, il y a l'horloge, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Oh, ouais, je m'en rends compte une saison plus tard quand même. Aïe. Mieux vaut tard que jamais. C'est pas très grave. Mieux vaut jamais que tard. Ah, ça, c'est une autre variante que je ne connaissais plus pas. Mieux vaut jamais que guy de base bar. Ah, pas mal. Mais. Mieux vaut jamais que prendre un coup de pétard. Ah ah. Et du coup, là, c'est quand la prochaine sortie de Gazo, là? Parce que. Et Noah, bientôt, les gars, on est à 90% du prochain projet, là. C'est une dinguerie, on dirait, fait partie de Sonic. Ouais, frérot. Oh, non, et la dernière fois, il y a quoi? Il y a deux semaines, il a mis 83% du projet. Là, on s'attend à des Drill FR6. On s'attend à un featuring avec Kershak et Leto. On s'attend, voilà, à un gros projet, là, un album ou un EP qui va sortir avec des bonnes collabs. Après, là, il a fait 2-3 apparitions sur. L'album à Landy, la musique est incroyable, je vous la ferai écouter après. Ah, après, Landy. Il a fait une apparition sur l'album de Maes, elle pue la merde. La musique ou son couplet? Non, parce que le couplet de Gazo c'est toujours bien, mais la musique elle pue la merde. Ah, okay. Enfin, on va dire l'instru elle pue la merde. C'est question de goût quoi. Ouais, mais okay. Non, mais genre, tu vois, l'instru on dirait un enfant de 8 ans qui l'a fait. Genre. C'est des trucs aucun rapport. Il y a un tremplin si vous voulez. Frérot, hey, quand même, respecte les beatmakers déjà, parce que c'est. J'appelle ça les magiciens de l'ombre. Ah, d'accord. Donc, oui, bon, moi-même, j'ai voulu être un beatmaker, mon ref. Et je peux te dire que c'est très difficile. C'est aussi parce que je suis nul. Mais, hein, quand non, même. Frérot, c'est pas ça le problème. Déjà, t'écouteras l'instru, tu seras du même avec ouais, moi. Ouais, d'accord, j'écouterai. Puis, le problème, gros, quand tu fais un truc avec Gazo, tu mets pas une instru à Disney, un mélange de drill et de Disney. Frère, quoi, qu'est-ce que tu racontes? Faut arrêter les conneries. Mais wesh, on dirait il a mis. Il a rappé sur ça, chérie ou quoi? Je sais pas. Eh, mais t'as capté l'instru que je fais ou pas? And I need you. Ah ouais, ok, ouais, si je vois. Non, mais elle a été reprise pas mal de fois, c'est Zik, mais des fois pour des catastrophes. Ah oui, non, mais t'inquiète, je connais la musique UK qu'il a repris. Hein? Avec l'histoire Brosson. Il y a. Mais vous connaissez pas l'histoire des drillers UK qui ont repris cette musique? Et dans les musiques, ils balancent tous les blasts des mecs qu'ils ont buté. Ah, mais c'est pas UK ça, mon ref. C'est UK. Qu'est-ce qu'il raconte? Si, je te jure, ça. Il a dit si c'est UK, vraiment, il a affirmé qu'ils faisaient partie de leur bande. Ah non, moi je confonds. Non, je confonds. Et sinon, tu penses quoi de Central C? Il est pété, non? Mais t'es fou. Mais tu kiffes son dernier son, il fait on imagina binabi mumima. Ah, c'est éclaté. Et il dit et après il dit you're such a hoe. Il dit ça ou pas? Est-ce que c'est pas le genre de son que t'écoutes toi? Dis la vérité. Non. Arrête de mentir. Ça. Oh, non, là tu l'écoutes avant de dormir même. Mais n'importe quoi. Et tu sais, j'oublierai jamais. Un extrait d'interview. Tu peux refaire la chanson? Anima shina mina mina shinu. Onina mena, you're such a hoe. Non, en vrai, bref, il est grave bon, mais quand il fait des musiques de Zoom comme ça, là, il est. Non, mais en plus, tu sais, je crois que c'est réel en fait. Parce qu'en fait, il avait fait une chanson de Lover juste avant, et je crois que ça, c'est la chanson de rupture. Il est déçu de sa meuf. Genre, il a fait un diss track à sa meuf. Il a fait comme Shakira, oui. Elle a fait à son gars, mais lui il a fait ça à sa meuf. Et sur un sample et tout. Bah ouais, mais je crois bien que c'est ça, parce qu'il s'est séparé de sa meuf, il me semble et tout. C'est chaud quand même. Et ouais, c'est la cahier. Tu penses quoi, frérot, de Zola qui fait une chanson d'amour pour sa meuf? Est-ce que tu trouves ça. Est-ce que c'est gang ou bien c'est. Je veux ton avis là-dessus, frérot. Il a perdu en street cred là, parce que le problème c'est que Zola, il a pas une voix à faire des musiques douces. Coup, Zola? Ouais. Ouais, okay. Mais la musique elle est pas genre, douce. Il a pas, en vrai. Il a pas elle un est, truc elle pas douce. En fait, c'est. Ouais. Frère, il dit ses habits tachés de sang. Mais quoi là? J'sais pas. Mais Amber! Ben oui, pourquoi tu parles de quoi, frérot? Je crois que tu parlais d'une autre. Bref.
Ember. Viens, mon ref, on rentre dans la boule. Mais non, mais je pensais que c'était une boule. Attends, on peut faire une boule ou pas? Eh, il l'a enlevé. Qu'est-ce que je voulais dire? Merde, on peut plus faire une boule de neige. Ember, Zola, masterclass. Du coup, t'as kiffé? Ouais, parce que en soi, il a trash talk une racli et ça, c'est cher. Et parce que les attends, meufs, tu parles de Zola ou de... Bah, je parle de Zola, enfin, cher pour la meuf. Mais dans Zola, il fait une chanson d'amour à sa meuf. Mais non, mais n'importe quoi, toi. Mais si, c'est Ember. Il parle bien de sa meuf, tu crois qu'il la clash? Mais c'était... Frérot. Ah, il y a un autre son? Je confonds les musiques, en fait. Ah, voilà. Et il y a des mecs, il y a des mecs. Ouais. Ah, toi, tu voulais de l'action? Oh, mais enfin, j'ai fait un kill. Trop, frérot. Oh, c'est une dinguerie. Y'a qui encore? Y'a qui? Il est juste en train. Arrête de te cacher! Et sinon, tu penses quoi? Est-ce que tu aimes bien Kershak ou pas? Ouais. Hachek. Je suis fan. Ok, Hachek. Est-ce que tu kiffes ce qu'il a fait avec Mister V ou pas? Non, pas du tout. Pourquoi t'aimes pas? C'est. Je sais pas. Fais très gaffe à ce que tu dis, le V c'est le S. Hein. C'est... Ah non, mais Mister V, j'adore ce qu'il fait. Mais... Kershak aussi. Les deux, j'adore ce qu'ils font, mais ça va pas ensemble. Ah ah, ok, bah écoute, c'est les goûts, les couleurs. Envie de gazo, par contre, ça il est bien. Est-ce que t'écoutes du rap pour t'endormir, mon ref? Oui. Ouais. Sérieux? T'écoutes quoi? Oui, vraiment. Du gazo, du. Ça m'est arrivé d'écouter du take pour s'endormir. C'est quoi take déjà? Du take. C'est chanson d'amour, tu vois, mais genre, c'est chill. J'ai cru que t'as dit take, genre. Soir, pas de dodo. Ah non, pas take, non. Je sais pas qui c'est. Mais c'est je pensais que tu parlais take off, celui qui est. Ah non, je croyais que tu parles. Attends, c'est celui-là qui fait ce soir, pas de dodo. Ouais. Ah voilà. Bah, moi, bizarrement, j'ai kiffé un seul de ces sons et le reste, j'ai pas suivi. J'ai kiffé. Le temps marche. Non, pas ça, j'aime même pas ça. Bon, ça, c'est pas mal, mais moi, j'ai kiffé l'autre. Et nous, je me suis fait du mal, mais. Ah oui. Ah, blou, blibla. Et chaque jour, je minoue. Cette musique, elle pue du cul. Elle est trop bien, frère. Elle pue du cul. Ouais. J'écoutais ça premier degré. Je sors avec un regard sombre dans la rue. Tu penses j'écoute une dinguerie? Moi, si je passe dans les vidéos, tu vois, où on t'arrête dans la rue, t'écoutes quoi? Frère, il y aura que des douceurs comme ça, frérot. Bien sûr, j'assume ma gueule. En ce moment, les gars, j'ai un problème. Que du miel dans mes oreilles. Pas parce que je me lave pas les oreilles, t'as capté? Si, si. T'as dit si, si. Du coup, tu veux... Biscuit, frérot. Que je voulais dire, en ce moment, j'ai un problème avec les musiques chata, les gars. C'est quoi ça? Pourquoi chata? Musique de chat? Écoute. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Chata, chata, t'as dit. Chata. Non, chata. C'est quoi chata? Chante à ta mère. Ah, la chante à ta mère. Tu connais. Là, c'est des musiques genre en mode. T'es dans les boîtes afro. C'est en mode des musiques Zermatt Twerk, boîte ah, afro. Ah, de zouk quoi. Non, vrai, un peu plus que du zouk quand même. Un peu plus que du zouk. Je vous ferai écouter. Attends, mais tu parles d'afro musique? D'afro trap? Non, pas afro trap, mais je comprends pas en fait le style. Non, mais c'est doux ça, c'est doux de non, fou. Non, pas afro. Mais putain, mais vous parlez à ma place, c'est normal. Mais tu te rappelles, chérie, la chanson qu'on. Non, mais on lui pose une question ou bien. Non, mais du coup, est-ce que tu te rappelles, chérie, la musique qu'on écoutait? Genre, je vais faire la musique. Et Nara, elle kiffe trop quand je refais des musiques parce que je les refais tout le temps trop bien, n'est-ce pas? Bref. Ouais. Et du coup. NMNSA, elle a mimi nous. NNNSA, elle a mimi nous. NN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 
Oh, il a pris un dépop lui. Et en vrai c'était incroyable, tu l'as tiré dans le dos là ou je rêve? Ouais, dans le dos, il a pris dans le crâne. C'est quoi ça? Je pensais que c'était une répu. C'est un bouclier. Ah, c'est le bouclier. Là, tu peux pas tirer à travers. Aïe aïe aïe. Mais du coup frérot, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, tu disais vraiment t'écouter des chansons de rap avant de dormir. Est-ce que c'est vrai ou tu te fous de ma gueule? La vie, c'est vrai, ça m'a arrivé. Écouter du gazo avant de dormir. Est-ce que tu connais NBA Youngboy? Bien sûr. Ok. NBA Youngboy, j'adore. Attends. Non. C'est Youngboy NBA, c'est bref. Non, NBA Youngboy. NBA, bref, on s'en fout. Et c'est Never Broke Again, genre. En gros, le mec, il s'est appelé Jeune gars, je serai jamais fauché de nouveau, c'est ça? Ben, ouais, mais c'est souhaite. Comment dire. C'est NBA, c'est une sorte de. Never Broke Again. Ah, ouais, c'est leur. Genre, c'est un label. Ouais, c'est comme YNW Melly, tu vois. Ah, ils sont plus ensemble, non? Ouais, non, mais ouais, c'est YNW, ils sont plus ensemble, mais genre, t'as capté, c'est un. Ouais. Un groupe mais... de gars, tu vois. Ah, j'ai capté. C'est comme une team e-sport, tu vois, mais de la musique. Ok, mais du coup, tu sais qu'une fois j'ai rigolé parce que Koba il a dit premier degré, il écoutait ses chansons avant de dormir, il disait ouais, ça passe crème, c'est doux. Mais il fait pas des musiques douces lui. Si, il y en a deux, trois, je t'en ferai écouter une après, une incroyable. Ouais, mais frère, attends, il parle qu'il a fumé des gens. Non, c'est quoi ça? Ah, elle va apparaître la zone là dans le ciel. Il parle que les meufs c'est des topus et tout machin, mais genre en vrai c'est doux ça. Mais c'est grave douce. Ouais, non, mais tu verras, la musique elle est grave douce, j'adore la mélo et tout. C'est une dinguerie. Bah, dites ce que vous écoutez dans les commentaires en rap ou en musique tout court, les hey, écoutez. Hein. Moi j'aime bien les discussions comme ça. Hein. N'hésitez pas à spammer les gazo en majuscule pour ceux qui écoutent du gazo et sache que je vous aimerai, vous aurez mon respect toute la vie. Voilà, ça va niquer tes commentaires. De quoi? Ce que je viens de dire. Ok. Bon, je réécouterai après avoir. Quand je réécouterai les rushs. Moi j'aime bien Gazo, j'aime bien sa voix. Ouais, j'aime bien aussi. Sa voix, elle est incroyable. Sur le featuring dans l'EP de Landy, les gars, est incroyable. Ah ouais? Je vous ferai écouter après. Alright! Bah écoute, ça fait plaisir de parler musique, moi j'aime trop. Ça fait très plaisir. Et c'est chill, j'avais l'impression que c'était une interview Enoal, littéralement. Vraiment? Mais les gars, on pose des questions et on n'écoute pas les réponses, quoi. Ouais, grave. Interview où tu poses des questions et Nara répond à ma place. Non, mais restez à l'affût, les gars, sur les arrivages de gazo. Mais mon ref, il te paye ou quoi? C'est quoi cette histoire? Non, mais gros, je suis fan. C'est quoi que tu comprends pas, gros? Ok, bah je te crois. Je suis un matrixé, je suis. Les gens que je connais. Ouais, mais il y a des limites, frérot. Tu vas pas donner ta meuf à un frérot parce que tu étais fan de sa musique. Mais bien sûr, frère! Un jour j'ai une meuf, gazo il la veut, mais je fais tiens mon frère. Non, parce que vous avez pas la ref, mais une fois il est parti à son concert et il a dit ouais, il a regardé ma meuf et tout, j'étais totalement d'accord ou je sais pas quoi, en mode mais quoi. Bah, en gros je suis parti à son concert à gazo avec Marakli, tu vois, enfin mon ex. Ouais. Et en gros à un moment gazo il lui a fait un cœur et j'étais jaloux. Pas parce que il lui a fait un mais ça se trouve il la voyait pas. Mais je te jure, ça c'est trompeur, mon ref. Parce que regarde, parce qu'on était tout devant et elle avec sa pote elle levait un cœur, genre c'était les seuls à lever les mains à ce moment là. Okay. Elle lui faisait un cœur et du coup lui il les a regardés, on était vraiment juste devant la scène. Ok. Et du coup il leur a répondu par un cœur. Ah bah oui, mais c'est un cœur, t'as capté, tu vois. Mais bref, fois je peux t'assurer, Ademo il m'a regardé dans les yeux et j'ai eu un peu des arrière-pensées, tu vois, mais genre vite fait. Ah ouais, c'est vrai, normal, frérot. Ademo, si tu regardes ça, frérot, no homo. Mais vraiment, c'est parce que... Bah, tu m'as regardé, arrête. Pourquoi tu fais genre, là? Il était sur la plateforme, comme ça. Il me regarde des yeux dans les yeux. J'ai fait... Voilà, j'ai regardé Nara, j'ai fait... Il m'a vu. Il m'a regardé. Mais tu sais, ça te fait quelque chose quand un artiste que tu kiffes, il te regarde. Je te jure, t'es en mode... Oh, c'est lui, là, qui a fait... Et en gros, il me regarde, là. Ouais, t'as vu, en mode là, il m'a vu. Thierry. Ouais. Ah, t'es parti. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y avait quelque chose pour moi. Un poisson. Ah, j'en ai grave besoin. Gazo, putain, c'est toute ma bise, mec. Tiens. Non, après, je comprends. Dis-toi, carrément, mes potes, maintenant, mes potes IRL, quand ils écoutent du gazo, ils m'envoient des snaps, carrément, en mode, ouais, pensez à toi, Eno. Hein? Tellement je suis chiant avec ça, bon. Ah, bon. Est-ce que tu kiffes, Ziak? Non, pas du tout. Couteau. Ça, c'est un vrai couteau.
J'aime pas, enfin genre, en fait j'aime bien mais j'ai l'impression il fait, en fait c'est un droit, elle m'a fané frérot. J'ai pris une... En c'est un mec qui est mais fort. Mais pour moi il est alsacien, wesh, il a un accent alsacien. Ah ouais, mais oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai maintenant que tu le dis, oh là on dirait c'est l'accent alsacien en fait. Hein. Ça c'est de vrai couteau. Mort, ça va dans la tête. Ouais. Magnifique. Magnifique. Ouais! Oh, c'est quoi ce trou là? Il y a un giga trou. Attends, vous êtes dans la merde là, j'ai l'impression, non? C'est toi qui es dans la merde, frérot. Du coup, tu connais le trou là qu'il y a dans le sol, mon ref? Non, mais il y a des gens en dessous, apparemment. Attends, bah je vais voir. Ah bah, c'est vrai, hein. T'avais. Ah! Oh merde! Oh merde! Mort! Il y a de l'eau, j'aime bien. J'aime bien l'eau. Mais ouais, ma foi. Moi, Ziak, j'aime bien. J'aime bien, tu vois. Artistiquement, il y a quelque chose. Il y a une proposition, tu vois. Après, c'est pas de la musique que je vais écouter tout le temps. Par contre, en rappeur, j'aime bien le V. J'aime bien Vald. Et Noël, prends ça. Oui, j'aime bien. Merci. Vald, j'aime bien. Même si moi, je vais pas écouter. Ouais. Mon bébé. Pardon. Mon bébou, tu me nianis? Tu me nianis? Est-ce que tu me nianis? Tu me nianis ou pas? Mon bébou. Non. Mon bébou d'amour. Ouais, j'ai envie de t'insulter là, la pression elle monte, frérot. J'ai failli lâcher une insulte. Tabogota là. Tabogota. Tabogota. Bon, ça me fait monter en pression ce genre de truc là. De quoi ce genre? Ah ben moi aussi ça me donne envie d'insulter. Je sais pas vraiment, pourquoi. Mais en fait j'adore le dire pour me foutre de gueule, mais au bout d'un moment je vais vas-y arrête d'en parler parce que je vais pas. Il y a des trucs ici, chérie, si tu veux. Est-ce que tu me nianis? Est-ce que tu me nianis? Par contre, en ce moment, il y a un truc qui me fait rire, c'est. Didn't I do it for you? Ah, les gars, on va crampter. Tu connais ou pas? Non. Bon, en tout cas, c'est un truc très cool. C'est drôle en fait, c'est genre. Oh, les gars. C'est par où qu'on remonte là? Un truc qui me fait kiffer en ce moment, c'est. Oh, les gars, on va crampter. C'est un mime. Moi je vais prendre ça, je crois. Moi je vais répondre à ma blague, c'est un truc de fou. C'est quoi que t'as dit? C'est quoi? On va crampter. Parce qu'on s'en bat les couilles. T'as dit quoi? Y'a quelqu'un sur moi, Quoi couper? Ah, quoi couper? Quoi couper? Non, on va crampter. Après il fait un, et après tu fais un panier. Et il dit quoi? Un panier? Je sais pas, il dit quoi? Il fait un panier. Un panier, après il fait quoi couper? Ouais, vraiment. Et il m'a fait rire ce mec. Attends! Ça m'éclate de rire. Mais je suis tombé sur un trade. Et en fait, ce mec, genre. Il est drôle malgré lui. Genre, ouais, vraiment. Il fait pas semblant, genre. Même il y avait un moment, il était en live sur TikTok, je sais pas quoi, et il s'est fait daronnette. Ça veut dire sa daronne lui a dit, genre en gros, je t'ai acheté un portable et tout, c'est pas pour que tu passes tes journées là-dessus, je sais pas quoi. Et lui, il était en live, M'skin. En vrai, il a l'air trop gentil. Ouais. Mon ami. Quoi coubé. Et après, il a dit, ouais, bah le mec qui a repris ma vidéo et tout, on va pas s'entendre et tout. Genre en gros, il lui demande sa part du gâteau, quoi. Ouais. Et c'est normal. Imagine, toi, Enol, tu deviens grave connu, mais pas sur ta chaîne. Genre... Ouais, j'avoue. Bah, c'est un peu... C'est horrible. C'est un peu... Ouais, peut-être que je te dois de l'argent, peut-être. Hein. Ouais, ah ouais, d'ailleurs, frérot. Fallait qu'on en parle, là. Parce qu'apparemment, c'est un peu ce qui se passe. Tu sais, quand j'ai dit la phrase, je me suis regardé, je me suis dit, mais... Bah, ouais, j'y avais pas pensé, gros. On va pas s'entendre, frérot. Je veux ma part des revenus là. Toutes les OP où je t'ai fait gagner de l'argent, Sensro machin. Moi j'ai rien eu. Sensro, oh, il s'est rappelé d'un souvenir ancien, tu vois. Il a dit Sensro. Carrément, je me suis mis en caleçon pour ta chaîne YouTube et tout. Et ça, ok, ça donne rien. Vas-y, frère. Oh, t'avais fait. Eh oui, c'est vrai. Eh, elle était trop bien cette vidéo là. Voilà, frère. On écrasait les trucs avec les tanks et tout là. Mais oui, on écrasait tout. Ah, franchement, c'était la. Incroyable. C'était la chérie, t'es tombée. Ouais. Je déteste faire ça. Mais bon. T'es un peu vulgaire, hein. Oui. Il y a des gens dans la tour ou c'est comment? Je sais pas, je les cherche. Oui. Moi, je dis de toute façon, venez, on va tout en quoi haut. Coubé. Bah, il en reste deux. Mais tu sais, j'ai l'impression que je deviens vieux, frérot. Maintenant, quand il y a des tendances et tout, je suis paumé, hein. Genre quand j'ai découvert Kwakubé, j'ai dit c'est quoi encore cette merde? Genre alors que je fais partie d'internet, mais
On dirait. Ouais, mais c'était vraiment pour les petits, hein. La vérité. Oh, et frérot, en parlant des tendances et tout machin. Ouais. Un sahab à nous qui perce gros Tobias, je le vois partout, frère. Ah oui, c'est oh vrai, machallah. Mais attends, tu le vois partout où? Sur TikTok, sur trucs. Non. Y a des TikTok à 100 000 likes, j'en vois tous les jours, frère. Incroyable. Il perce sa mère. Eh, je suis trop content, alhamdoulilah. Franchement, ça fait trop plaisir. Je vais lui demander. Bah, je vais rien lui demander en fait, parce que. Une part de revenu. Demande une part de revenu. En mode, il est propulsé. Et je suis ouf, voilà. Mais à la base, en plus, je l'ai rencontré. Bah, moi, je l'ai connu grâce aux vidéos d'NS, tu vois. Et c'était une rencontre incroyable. Je te jure, il me fait rire et tout, donc ça fait plaisir. Pour vraiment. En vrai, je vais pas parler tellement de fois, Tobias, mais. En vrai, c'est vraiment un gars trop gentil, sa mère. Il est fou, surtout, hein. Bah, vous êtes un peu pareil, mais. Mais... les frérots, dans des délires un peu différents, mais c'est le même niveau de folie pour moi, y a pas de différence. Hé, hey, laissez-moi le top 1! Non, mais là, bon, moi, je vais les chercher, hein, j'en peux plus. Je no scope dans le vide, là. Hein. Ils sont là-bas, là, j'en suis sûr. Où ça? Je sais pas, mais. Attends. Mais ils sont en haut, frère, ils sont en haut! Nick, 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 nick. Hop là, ça dit ça. Ah, ils ont les trucs. Ok, regarde, chouf. Balle en l'air. Ah, mais oui, là, il va retomber, là. Allez. Mais je l'ai pas touché une fois! Arrête de planer, toi. Oh, je l'ai touché! Je l'ai touché avec le sniper! Sérieux? Attends. Tête de WAM. Attends. Ouah, je l'ai eu! Oh, ça y est. Il reste qui? Il en reste un en bas. Ah ouais? En direction. Mec, mais moi j'étais sûr. Oh, il est là. Il est où? Derrière toi. Putain, il est juste là. Il va m'éclater, j'en suis sûr. Il a l'air chaud. Il a l'air chaud. Non. Il est tout nul. Attends, je l'enferme. Vas-y, fais une hagra, mon ref. Attends. Salut, frérot. Ah, pardon. Aïe. Bah, c'était un deuxième top 1, ma foi, incroyable. Voilà. Les Skybase. Eh, franchement, frérot, Skybase, ça manque un peu, hein. Aïe. Bon, bah, prochaine game, je suppose. Mais j'allais dire, c'est quoi Kenjutsu Crossing? Hein? C'est là où on était. Ah ouais? Mais c'est encore gris là pour moi, j'ai l'impression. Ah non, c'est pas gris. En fait, c'est juste que c'est vert. Mais tu sais, c'est un peu vert sombre et du coup, ça fait comme si c'était gris alors que non. Par contre, ça, c'est vraiment point d'interrogation. Là où t'as mis. Ouais, donc, je sais. Oh, mais j'ai zappé. On est un peu au milieu de nulle part. Je vois aux alentours, c'est que comme de l'espace ou une galaxie. Ah ouais, c'est vrai. C'est trop stylé. On est sur une île artificielle. Ouais, Dans un jeu artificiel, t'imagines? Dans un monde artificiel. T'as essayé de nager dans l'eau aux extrémités, genre, tu peux aller jusqu'à où? Bah, je pense jusqu'au bout. Enfin, non, il doit avoir une barrière. Ouais. Je pense. Et il n'y a plus le bateau, chérie. Hein. Parce qu'à un moment donné, il y avait le bateau aux alentours de la map. Non, je pense pas. À chaque fois, on checkait, on allait se mettre bien là-bas. Ah là là. Bon bah n'hésitez pas à dire en tout cas sur la chaîne 1080+, si vous kiffez ce type de contenu, tu sais, moins monté. Après sur la chaîne principale, des fois ça sera repris, tu sais, pour que ce soit plus dynamique. Mais au moins il y a le meilleur des deux mondes, je suppose, pour ceux qui veulent contenu un peu plus long. Comme et... moi, genre j'aime trop me poser et regarder un truc long. Je te jure c'est vrai. Genre, même si ça blablate et tout, c'est même. Ah tant mieux. Tant mieux, je te jure. Même moi, je te jure. Plus ça blablate, mieux c'est. Mais ça porte compagnie, j'ai l'impression. Là, j'ai même vu un commentaire. Quelqu'un, il a dit ouais, j'aime trop écouter tes vidéos quand je dessine, tu vois. Donc ça veut dire vraiment, c'est comme si moi j'étais là, je braille. Et il y a des gens, ils trouvent ça agréable apparemment, tu vois. Donc bon. Mais moi aussi, j'aime bien. Ça tient une petite compagnie, machin, c'est grave bien. Ouais. Mais gros, je voulais dire un truc. C'est qu'à l'ancienne, frérot, quand c'est triste un peu, tu vois, mais j'étais seul de fou. Et en gros, pour dormir, je mettais des vidéos. Je mettais tu sais quoi, ça m'est déjà arrivé de m'endormir, tu sais, sur des lives. Et je mettais live de qui? Ça m'arrivait de mettre des rediffs de Nabil. Nabil, tu connais, Aikilio. Ouais. Et bah, ça m'arrivait de mettre lui, genre, il joue à Arma. Il est là sur moi. Et, c'est vrai, il est plus là. Il joue à Arma, tu vois, lui, c'était son territoire, tu vois. Il kiffait trop ça. Et bon, moi aussi, j'aimais bien le voir jouer et tout.
Et je mettais des let's play. Et frère, par contre, tu me dis si tu trouves ça bizarre. Mais wallah que c'est vrai. Wallah. Si je mens. Bref, ça sert à rien de blablater autour de ça. Mais en tout cas, je regardais Ghost Adventures quand je dormais. Je mettais des épisodes de Ghost Adventures. Genre, je sais pas pourquoi. Je kiffais l'ambiance de fou. Et je crois qu'il y avait une partie de moi qui se disait eh, de toute façon, c'est faux leur connerie, tu vois. Pour moi, en fait, Ghost Adventures, c'était comme truqué, tu vois. Et même si c'était pas truqué, je me disais eh, vas-y, l'ambiance, elle est trop lourde. Et j'aimais bien le présentateur, tu vois. C'est horrible d'endormir sur ça, wesh. Bah, je sais pas, moi, j'aimais trop l'ambiance. J'ai tué une poule, frérot. Je sais pas pourquoi, voilà, je regardais ça. Et voilà, c'était bon délire. En vrai, c'est pas mal. Mais moi, j'aime bien ce genre de truc, là. C'est cette sorte d'émission, là. Truc, t'as les fantômes, paranormal. Ouais, c'était... Après, c'est pas pour rabaisser la chaîne, l'émission. Mais bon, franchement, ça a été montré plein de fois qu'en vrai, ils sont là, oui. Ils font du show, en fait. Après, c'est à l'américaine et ça correspond bien à leur délire, tu vois. Ils sont là, ils aiment bien. Genre, par exemple, des fois, ils faisaient croire qu'ils se faisaient, je crois, griffer ou... Je sais plus, frère, il y avait des épisodes. Ouais. Mais un jour, il y avait un épisode, il est parti dans une île. Genre, je crois, l'île la plus hantée, genre du monde, je crois, un truc comme ça. J'ai trop d'esprit là-bas, ouais. Et tout. J'étais trop à fond dedans, là. Et genre, tu sais que limite, je m'étais attaché à l'équipe de tournage et tout. Je leur connaissais leur nom et tout. Mais ouais. Voilà. Mais en fait, ça devient. Incroyable. Bah, on dirait comme un groupe de potes, en fait. Tu vois, un groupe de potes qui font leur bail. Mais, ah, mais au bout d'un moment, bon, quand j'ai capté que c'était un peu du. Bah, c'était comme le catch, quoi. Comme le catch. La différence, ouais, entre le catch et UFC. Et à côté, nous en France, on a Grand JD qui, lui, il va tout faire pour décrédibiliser en fait l'endroit. Ouais, c'est vrai. Il va dans c'est un endroit. Bois qui travaille. Mais ouais, mais pour moi, c'est Monsieur Bois qui travaille. Et maintenant, à chaque fois, même en off, je le dis. Je dis non, mais t'inquiète, c'est Bois qui travaille. Genre, il peut avoir un. Il va entendre un cri, genre. Ah ouais, ah, mais c'est ça, c'est la saison des renards. Il va te dire, ou je sais pas, frère. Mais vraiment, lui, tant qu'il n'y a pas un fantôme qui va apparaître devant lui, il va dire, lui dire, voilà, je suis un fantôme. Dire, il va dire, non, frère, c'est une lumière. Il va dire, non, mais après, peut-être que le fait que j'ai pas trop dormi ces derniers jours, en fait, je m'imagine des trucs, peut-être, je sais pas. Et il te le dit avec une voix tellement sereine, il me fume, mon là. Mais vraiment, il décrédibilise. Il enlève de la crédibilité de tout. Regarde, il m'a enfermé. Ah, c'est toi, chérie. C'est oh là, j'avais parlé mal, j'ai dit le chien. Voilà, bah, voilà, hein, le chien. T'as des gros, frérot? Arrête, frérot, arrête. Putain, en plus, je me rappelle. Oh putain, tu sais que j'ai très mal vécu ça. Et je suis claustrophobe. Je suis claustroporte. C'est quoi ça? Je sais pas. En tout cas, tout ça pour dire, le paranormal, c'est fascinant. Ah bon, tu pourras le couper en montage, ma blague, s'il te plaît, je suis gêné. Là. Mais il n'y aura pas de cut, mon ref. C'est sûr. Il n'y aura pas de cut. Si, il y aura des cuts, je te dis. Si, si. Et tu crois que je vais retaper tout un rendu pour ça? Rien à foutre, ça va rester. C'était quoi, bon, ça, les gars, n'hésitez pas à rien dire dans les commentaires si vous voulez rester jusqu'à là dans la vidéo. Mais t'as dit claustro. En plus, je l'ai même pas compris, en fait, donc tant mieux. Mais c'était gênant. T'inquiète, mon ref. Moi, je me suis trompé dans mon mot et j'ai fait passer ça pour une blague. Et en fait, même la blague était gênante, du coup. Ah, maintenant, vous savez que Noël, il pue la merde. Wesh. T'as dit quoi, frérot? J'entends pas les rageux. J'entends pas les rageux. Venez, on se met tous ici. Mais ouais, en tout cas, je t'avoue, moi, comment je kifferais trop faire des lives. Mais en fait, genre, je sais pas, tu vois, à la fois, je suis à l'aise, mais à la fois. Viens là, toi, viens là. Je sais pas, je suis à l'aise avec le montage. Parce que, en vrai, tu sais, je te comprends de fou dans ce que t'as dit là. Genre, des fois, moi aussi, je vais me trouver gênant. Je vais dire, oh, cut ça, frère, tu vois. Et bah, c'est exactement le méta d'esprit. Des fois, je vais me dire, à cause de ça. Ça me fait chier, tu vois, de faire des lives. Je me dis, ouah, les gens, ils vont me démasquer. Ils vont voir que, en fait, je suis pas si drôle, tu vois. Non. Bah, je te jure, c'est vrai. Parce que, en fait, genre, je me dis, vu qu'il y a tellement. Des fois, je fais trop de montage. Enfin, pas trop de montage, mais il y a trop de trucs de cut et dynamiser tout ça. Et ça fait que je me dis, ouah, ça se trouve, les gens, ils sont attachés, en fait, au Ayoub monté. Je veux faire avec toi. Oh, tu voulais faire avec moi?
Bah je redescends. Eh mais elle est trop belle la vue d'ici, je vais tout casser. Ça a été un problème, tu vois, pour je sais que ça a été un problème pour la chaîne d'un qui est racine. Genre tu sais qu'il faisait des vidéos très montées, machin et tout, tu vois, donc t'avais l'impression que c'était hyper enfin c'était hyper dynamique et tout machin. Ouais. Et quand ils ont commencé à faire des lives et tout, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de critiques, tu sais, sur les réseaux machin, en mode ouais putain mais dans leurs lives ils sont vraiment mais ils ont pas toujours fait des lives eux. Tu parles de qui, je crois, ou alors l'Inc était racine. Ah. Je te parle de vraiment il y a longtemps, tu vois, genre vraiment. Ah. Mais c'est vrai, je les connais, ça fait un moment, voilà, ça fait depuis 2013, je crois. Ou avant. Ouais. 2012. Mais je sais plus si c'était genre quand ils ont commencé live, parce que je crois qu'ils avaient commencé en même temps, mais genre c'était bref, au bout d'un moment, les gens ils commencent à dire sur leur live, ouais, que quand tu regardais les vidéos et les lives, genre les lives c'était vraiment mou. Quoi. Bah c'est normal, frère. Ah oui, après, mais c'est normal, mais je sais que après c'est que les gens ils connaissent, c'était les débuts de Twitch, machin et tout. Hein. Ah ouais. Ah oui, je te parle ça, gens, Gotaga il était payé. Mais Twitch ça a commencé en 2010. Ouais, un truc comme ça, mais c'était pas très connu. Vrai. Mais tu sais qu'à la base ça s'appelait Justin TV, mon ref. Ah ouais. Je crois, hein, je te jure, si je dis pas de bêtises. Si quelqu'un veut me corriger, hein. Mais en tout cas, il me semble que c'était Justin TV et. Oh, je l'ai touché deux fois. Et après, ça s'est appelé. Pardon, mon ref. Et après, ils ont appelé Twitch parce que. Bah, je voulais faire une vanne, mais en fait, y a pas de vanne sur ça. Mais. Rambo Six Siege. Mais c'est quoi ce. Eh, est-ce que t'as la nouvelle Nintendo Twitch? Tu vois, c'est tellement je suis pété, je suis obligé de compenser avec ça. Tu m'as appelé, frérot? Oui, vite fait. Non, je croyais que tu me parlais. Eh hey, frérot, t'as vu? Il est là. Où ça? Là. Je le vois. Oh, touché trois fois. Vas-y, il est blanc, hein, chérie. Tu l'as eu? Ouais, mais il est pas seul, je pense. Ouais. Du coup, frérot, je sais que j'en parle tardivement, mais il y a un FPS qui est sorti. Il y a un FPS qui est sorti. Là. Oh, du haram. Il est où? Il est là. Mais les gars, je les vois pas, les ennemis. Ah. Oh, une banane. Ça le tue, moi. Je retire ce que j'ai dit. Je déteste les bananes, même les bananes. Mort. Merci. Est-ce qu'on peut dire que tu l'as réduit en smoothie? Bref. Ouais. Et du coup, il y a un FPS qui est sorti où tu détruis des immeubles et tout. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Mais il y a une bêta en ce moment et tout. Et j'ai vu le jeu, il a l'air trop bien. Je vais jouer. Bah, je crois que c'est plus possible. Merde. Qui a fait ça? Moi, pardon. Ah, c'est pour ça que t'as dit un peu tardivement, hein, c'est comme ça. Ouais, je crois que ça finit le. Je crois que c'est fini hier. Putain. Mais c'est bien les jeux comme ça, je crois que c'est un free to play. Mais ouais. Je vais jouer parce que voilà, en plus faut que je fasse des tournages là. Des tournages tu vas faire. Allez vas-y, tu peux tease. Commence à teaser mon ref. La zone, les gars. En fait j'ai pour projet là de faire voilà des tournages vraiment peu importe le jeu mais juste sous sa galerie, de préférence avec plusieurs gens. Je vais essayer d'attaquer les tournages IRL aussi. Les jeux voilà avec mes potes IRL on a une petite idée de jeu dans le canapé chez moi tranquillou pas du couch tête, pas couch gaming you know ouais yeah you know et okay. Et voilà du coup on va faire oh ça non. Je vais mourir hein. Et pin où est-ce qu'ils sont là et derrière okay. et bref et du coup voilà et je vais attendre la sortie je vais attendre la sortie de Gmod 2. Oh bien ouais. Toi t'es un opportuniste, ah toi. Oui. Chier. Attends, me dis pas qu'on est mort. Il reste juste le frérot Eno. Donc tout repose sur toi. Pas de pression non, bien sûr. C'est mort parce que bah, je vais mourir. Il est dans la zone. Oh tu t'as pris un peu de splash. Je te jure. Allah, c'était un splash ennemi en plus. Oui. Eh mais t'es bon mon ref. Attends. Voilà, dinguerie. Mais t'as vu, toi, sans cut, t'es trop fort. Moi, le monteur, il est obligé de m'arranger pour faire genre, c'est moi qui a fait tes actions et tout. T'inquiète, frérot. Oh,
120. Mais là, j'ai plus de balles. Oh, il a chopé des trucs. T'inquiète, t'as la baraka. T'as la baraka, mon ref. J'ai la baraka, frérot. Bah oui. Ok. Le frérot qui est en train de reprendre des forces. Some forces. Plus de balles. C'est le l'oncle Rick. Ouais. D'ailleurs, j'ai décroché. Hein. Rick et Morty, je crois, c'est tellement devenu n'importe quoi à chaque épisode que j'ai lâché. Mais il est nul, lui. Oui. Couvre-toi, mon ref. Non, mais là, couvre là, tes arrières. Eh, mais tu sais, je suis bête. J'ai cru que t'étais dans la tempête, en fait. Je te jure. Mais il est dans la tempête. Ah non, là, plus. Non, là, si, là il est encore là, dans la tempête. Ah là, oui. Là, c'est bon. Ah mais je faisais plus la diff, je sais pas pourquoi. Ouais mais moi j'ai bugué maintenant. Oh putain il a rien. Vas-y nick. Tu peux y arriver mon ref. Ouais et les autres ils arrivent là. Oh, ils ont des en armes plus, de merde. C'est ça que j'ai putain mais wesh. Attends tu les as eu là. Ouais frérot. C'est bon t'as niqué une team. C'est-à-dire là, il peut nous rire. Il faut attendre un petit peu la batterie. Pardon. Je suis désolé. Oh non, la zone, elle avance. Je vais aller là. Pars-toi. Mais frérot, vraiment, j'avais envie de te pépon au mic, quoi. J'avais déjà commencé, quoi, littéralement. Ah, frérot. Et puis encore, là, les gars, c'est plus le noël d'avant. Eh, mais c'est du bambou, ça. Du bambou. Ouais. Du bambou où? Hein? Non. Non. J'ai pas compris du bambou. Ça, non. Il y en a où, du bambou? Ah. Le bambou. Les gens, ils sont... J'ai pas la ref et je préfère pas en fait. Mais attends, qui c'est qui mange les bambous? Non. Frérot, c'est pas compliqué à comprendre. Non, j'ai pas. Bon, là, je y en a pas. Où des bambous? Je sais pas. Juste. Bah. Non, ouais. Bref, vas-y, c'est nul de fou. Juste. On fait ça. Bah, je sais pas moi. Non, bref, laisse rien. Ou bien vous expliquez la blague ou bien on passe à autre chose. Mais en tout cas, je t'explique la blague, frérot. Non, c'est bon. Bref, il y a. Comment ça s'appelle? Les pandas, c'est eux qui bouffent les bambous. Ouais. Et du coup, les pandas, c'est vraiment parmi les animaux qui me font le plus rire, en fait. Parce que... Ouais, non, après, il y a les mouettes. J'avoue, les mouettes, ça, c'est un autre délire. C'est un autre débat. Les mouettes, elles sont, pour moi, hors catégorie. Ah, hors classement, je voulais dire. Et en fait, les pandas, Msaken, ils sont tellement maladroits et dangereux pour eux-mêmes. C'est un danger pour eux-mêmes, ces gens-là, tu vois. Et, ces gens-là. Et quand tu comprends qu'ils sont en voie de disparition, on se dit peut-être qu'ils sont un peu responsables aussi, un petit peu. Mais genre juste un peu. Je dis pas que l'homme n'a pas sa part dans cette histoire. Mais je te jure, quand tu vois un panda perché à un arbre de 40 ou 50 mètres, il est tout là-haut. Tu te dis comment il va faire pour redescendre. Et ben je te jure, il y en a plein. Il s'accroche à des branches. Ça se casse. Et après, la suite, elle est catastrophique, mon ref. Genre, vraiment, je te jure, il y a plein de pandas, Msaken, ils se font du mal comme en ça. En fait, ça fait trop rire, mais ça fait trop de la peine. Mais oui, en vrai, ça fait de la peine, en vrai. C'est un peu bête, quand même. En fait, c'est ça. Mais en fait, c'est triste. Et en fait, c'est tristement drôle. Parce que c'est vraiment la nature qui est comme ça. Hein. C'est la nature qui veut qu'il soit comme ça. Mais ouais, peut-être que si j'étais un animal, je serais un panda. Je sais pas. Peut-être. Oh, j'ai failli tirer sur le bot. Ah non, les bots, c'est des galères. Mais je veux un marteau, moi! Laissez-moi avec vos sabres! Oh là, je veux trop un marteau. Faites gaffe. Attention. Oh, y'a des splashs là! Bon. Oh, Ils sont morts. Alors là, je suis désolé, mais j'ai tout bouffé, chérie. J'ai vraiment tout pris. Je suis désolé. Yeah. Allez. Je vous montre mon aim. J'ai. Oui. Mais tu l'as eu! Désolé! J'étais en train de montrer! Trop drôle! Merde, je vais pas faire ça. Oh! Et Noah, tu fais le fada? Tu es un fou, le sentier. Tu es fada? Temple ça. Il reste 3 mecs. Non, on va encore faire un top 1? Oui, comme d'hab. Ouais. Eh bah tu sais quoi, ils sont sur moi. Non. Si. Mais frérot, attends, il y en a 3 autres là, fais pas le... Il faut monter en haut là, ici chérie, viens. Ok, j'arrive.
Non mais frérot. Et non. Ah, ils sont vraiment chauds les gars par contre. Non putain. T'as vu, c'est ta faute. Non mais moi je veux pas mourir là, mais c'est chaud. En fait frère, en une partie t'as augmenté tes stats, maintenant on se retrouve avec des mecs trop forts. Non. Il a plus rien. J'en ai marre. Finoa, il est où? Il est en train de se vivre. Mais non, mais ça, c'est pas un combat pour moi, ça. Vous êtes là, vous faites de la géométrie. J'en ai marre. Je jure, j'en ai marre. Il est juste là. Il est là, le chien. Allez, chien. Ah, voilà, c'est lui, ce bâtard. Oh non. J'en ai marre. Attends, c'est un nouveau skin, ça, en plus. Comment il s'appelle? C'est C'est Dark Vador, n'est-ce pas? Attention. Oh là 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 là. Non mais il se rappelle, il me rappelle comment il s'appelle, Ghost Rider. Ouais, ils sont chauds hein. Oh non, et non, tu vas die putain. Non, arrête, mais tu lui portes le rain. Non, oh les salauds. Ah non, c'est trop une dinguerie. Voilà, par contre là tu... Construis t'as 3 PV, Willy. Ah Willy. Non, là tu te retrouves contre un mec. Mec, il y a un mec. Mes plus, frérot. Ça se trouve, il va mourir. Non, franchement, gros, si t'y arrives là. Il est là. Allez, viens, frérot. Box fight maintenant. C'est bon. Mais t'as 3 PV ou mon ref? Allez, viens. Viens dans mon mode de jeu. Tu veux me fight? Non. Non, mais là, vraiment, si t'y arrives, tu rentres officiellement dans la légende. En fait, déjà, pour moi, t'es déjà dans la légende. Mais là, vraiment, c'est comme que du bonus. Tu vois ou pas? Oh, et non, il va rien, je crois, non? Je te jure, je crois. Non, il est non. En train de le tirer dessus. Ah non. Je pensais qu'il allait vers le truc de rétablissement. Oi. Le fight du siècle. Oh mon attention vrai. Frère ah tu... Mais t'es trop con. J'ai oublié que j'avais 3 PV, oh là. Skin. Voilà, j'ai oublié que j'avais 3 PV. Attention, t'as 3 PV et... Putain, c'est pas grave, mais frérot, tu es die dignement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, la vraie taille dignement, ça aurait été... Voilà. Non, c'était une excellente partie. Les gars, j'ai oublié, j'avais 3 PV. Une très bonne manière de finir la vidéo, je suis très content, vraiment. Vraiment la pire manière du monde, j'aurais pu rentrer dans la légende. Mais... Non, c'était incroyable. Les gens savent que tu es déjà dans la légende, mon ref. Enfin, bref. Déjà, juste que t'as réussi à sortir de la zone, c'était incroyable. Voilà, ça, c'était une action avec de fou. Mais frérot, ouais. Ton perso, il te ressemble. C'est un truc de fou. Ah ouais, un petit peu. Et un petit air. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et c'est le cas, petit like, petit commentaire, you know. Yeah. Abonnez-vous aux chaînes des potes, you know, même maintenant. Yeah. Il est en train de préparer des gros bails là. Les gars, ça arrive du lourd là. Là, il y a du lourd qui arrive, les gars. Ah ouais, j'ai sorti un son. J'ai sorti un son blabla pour vous, voilà. Enfin, pour vous, en mode bref. Vous pouvez l'écouter si vous avez envie. Alors, ça me fera plaisir. Mais les gars, l'argent des streams. L'argent des streams, you know. Et après, il y a quoi? J'allais faire de la pub pour cette chaîne, mais on est déjà aussi sur cette chaîne. Donc, enfin, il y a la rediff sur la chaîne et il y a aussi sur. Bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, prenez soin de vos streams de haut. Peace! Bye les boys! Bye! Yep.